Et salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Donc ça sera assez rapide. J'ai deux colis juste ici. Il y en a un qui est arrivé hier, un qui est arrivé aujourd'hui. Je les ai juste ouverts. J'ai regardé s'il y avait tout ce qu'il me fallait. C'est bon, il y a tout ce qu'il faut, tout ce que j'ai commandé. Du coup, allez, on va tout de suite faire l'unboxing. On va commencer peut-être par celui-ci. C'est commandé sur deux sites différents. Celui-ci ProBike, celui-ci Altrix. Donc là, hop, on va déballer du coup celui de ProBike. Il n'y a rien de très spécial, c'est juste des petits accessoires pour moi. Là, c'est la prochaine saison qui commence. J'avais besoin de racheter 2-3 trucs pour mon vélo secondaire, entre guillemets, qui va devenir mon vélo principal. Du coup, j'avais besoin de 2-3 petits trucs, du coup je les commande. Je me suis dit, autant vous faire une petite vidéo. Donc ici, on a une tige de sel, zip. Je vais la déballer pour vous la faire voir. Je vous en ai déjà parlé, de la tige de sel. J'en cherchais une en 31. Sauf qu'aux ventes, pas moyen d'en trouver une. Pour ceux qui ont vu les vidéos de vente, du coup, bon, j'en ai commandé une. Alors, hop, tout ça on met à côté. Une tige de sel zip, rien de spécial. Hop, est-ce qu'il va vouloir faire le focus sans que je le fasse moi-même? Allez, je suis tout seul pour une fois là pour faire le petit unboxing, du coup je vais devoir le faire moi-même. Ah, il va pas vouloir. Bon bref, c'est une tige de sel zip, une droite, hein. Elle est droite. Je voulais ça parce que je me tiens super, je m'avance fort en fait sur ma selle. Du coup, j'ai décidé de prendre une droite. Ça, peut-être que je pourrais mieux me positionner sur le vélo. Du coup, voilà, une tige de sel. Je vais rentrer un peu dans les caractéristiques, si vous voulez. Donc, c'est la tige de sel zip service course droite. Sur, du coup, ProBike, elle est à 39,99€. La longueur de la tige de sel, c'est une tige de 350 mm. C'est une aluminium. Voilà, tout ce qu'il y a de plus simple, elle fait 269 grammes, celle-ci, hein, dans cette taille-ci. Donc voilà, rien de spécial, je voulais vraiment une tige de sel droite avec vraiment un bon maintien. Parce que voilà, j'avais une tige de sel Ritley et le maintien était totalement pourri. J'ai fait des courses à pavé cette saison et ça me l'a complètement démonté. Du coup voilà, du coup je voulais faire, j'avais besoin d'une tige de sel. Du coup voilà, j'ai pris ça. Ensuite, on a des petits trucs hein, qui servent pour protéger. Un petit code de moins 10%, voilà. Ici, on a la facture. Et on a un dernier petit truc. Alors, vous avez ça, juste des embouts. Vous allez comprendre pourquoi dans le prochain colis. J'ai pris ça parce que la livraison gratuite, c'était à partir de 40€. Et la tige de sel faisait 39,99€. Du coup, j'ai pris ça à je sais plus combien de centimes, pas énorme, entre 50 et 80 centimes. Bref, voilà. Hop, on a fait le premier unboxing. On va attaquer tout de suite le deuxième. On va faire un petit zoom. On va profiter qu'il reste plus que ça. Hop, comme ça. Voilà, vous allez le voir un petit peu mieux. Donc là, on retrouve plusieurs petites choses. Une vraiment intéressante. Surtout, ça on s'en fout. Là, on a un petit code encore comme ProBike. Hop, voilà. Donc, on va finir par ça. Donc, ici, vous avez tous des câbles, une chaîne. Hop, encore des câbles. On va sortir ça tout de suite. Et ici, encore des câbles. C'est tout simplement. Du coup, comme je vous l'ai dit, mon vélo, en fait j'ai deux vélos de route. J'avais mon principal que j'ai vraiment pas du tout utilisé énormément depuis que je l'ai. Parce que l'année dernière j'ai fait une chute et tout ça. Ça m'a coupé dans ma saison. Et cette année, j'ai principalement utilisé mon vélo secondaire du coup. Sauf que mon vélo secondaire va redevenir mon vélo principal pendant un certain temps. Vu que je vais revendre mon vélo principal. Sauf que du coup, vu qu'il y a du vécu, je vais changer à peu près tout le câblage. Je vais changer aussi la chaîne parce que maintenant elle a quand même pas mal de bornes. Du coup, j'ai pris une chaîne Ultegra en 11 vitesses. Après, bon, c'est des câbles Shimano, tout ce qu'il y a de plus simple. Si vous voulez les prix, je vais vous les donner tout de suite.
Donc tout sur Altrix, hein. On est sur le câble de dérailleur à 1,50€ le câble. Sur les câbles de frein, vous êtes à 1,90€, sachant qu'il en faut deux. Donc on est à 3€ pour les câbles de dérailleur et un peu moins de 4€ pour les câbles de frein. Et la chaîne, on est à 27€ par contre, c'est ce qu'il y avait de plus cher. J'ai regardé pour prendre après du 105. Je suis tout en Ultegra, hein, sur mon vélo secondaire, du coup, entre guillemets. J'avais regardé pour prendre du 105 et au final, vu la différence de prix, je me suis dit, oh bah non, on va quand même prendre de l'Ultegra. Hop, donc première petite chose, on est à 6 minutes de vidéo, l'air de rien, ça passe. Hop, on va tout mettre ça là, à part ces câbles qui sont ici, vu qu'ils sont pas emballés. Et dernière chose, vous avez ceci. Alors, ma selle, qui a pas mal de vécu aussi. Et j'ai trouvé cette selle, je l'avais vue en magasin et elle m'avait l'air d'être plutôt pas mal, d'être correcte. J'avais une Prologo là en ce moment qui a pas mal vécu, je peux peut-être même vous faire voir tout ça, hein. Je dois la voir ici, ma selle, attendez. Bon non, du coup pour le coup je ne l'ai pas parce que j'ai repris l'entraînement, j'ai fait deux sorties depuis la reprise et du coup je l'avais quand même remis, c'est vrai. Du coup c'est avec mon vélo. Du coup cette selle, cette selle qui à la base était du coup à 120€ si je ne dis pas de bêtises, et il avait une promotion sur quasiment toutes 110€ et il y avait une promotion sur quasiment toutes les selles physiques. Du coup vu que j'avais besoin d'une selle, j'en ai profité, je me suis dit ça peut être plutôt pas mal. J'ai eu la selle à 55€, c'est pour ça que je l'ai prise. J'ai déjà eu une selle physique qui m'avait pas plu, donc ouais, ma selle physique qui m'avait pas plu, j'avais redonné à mon père. Du coup on verra celle-ci, ça m'intéressait parce que souvent j'avais des frottements, du coup je me suis dit pourquoi pas. Donc c'est la selle physique Arion R5 Open, une selle en alu. Niveau des détails, je vais vous en donner quand même quelques-uns. Elle fait 125 grammes. Elle est full noire, du coup elle est en alu comme je le disais. Largeur de selle jusqu'à 1,42, voilà à peu près pour la selle. Du coup là je vous donnerai un peu mon avis, hein, de la selle. Franchement elle est super, elle est plus légère que ma selle que j'avais pour logo. Du coup franchement je vais voir ce que ça va donner. Le petit truc moins bien, vu que moi je me tiens fort en avant de la selle, c'est ça, vu que ça part fort en arrière, je pense que on va le voir aussi, on va croire que je suis encore fort en avant, mais bon on verra bien. La selle m'a l'air d'être sympa, je sais pas si je vais pouvoir vous faire voir parce qu'il y a du mal à faire le focus, pourtant il y a de la lumière. Ah voilà, vous voyez bien, donc voilà la selle. Donc tous ces petits accessoires pour refaire mon vélo, pour le remettre au goût du jour, pour pouvoir me régaler avec pour la reprise, pour cet hiver et tout ça. Du coup, je vais peut-être vous proposer une vidéo de tout le remontage sur mon vélo et tout, de l'entretien un petit peu. Je vais essayer de voir ça, dites-moi si ça vous plairait dans les commentaires. Si ça vous plaît, pourquoi pas le faire, hein, je me filmerai, je mettrai en avance rapide si j'ai 2-3 petits trucs à vous expliquer, voilà je vous les explique, ça peut être assez sympa, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis voilà, je vous laisse parce que la vidéo au final dure quand même assez longtemps pour ce que j'ai. Du coup voilà, c'était, il n'y avait rien vraiment de spécial, mais je voulais quand même faire une petite vidéo sur ça. Ce qui peut vraiment être plus bien, c'est le montage, je pense que ça peut en intéresser quelques-uns. Voilà, sur ce, je vais vous laisser, j'espère que la vidéo vous aura plu. Allez, bye tout le monde.